Je sais pas s'ils voudront revenir. Ils sont amoureux. Vraiment amoureux. Germaine et Gérard l'ont appris. Michel a compris qu'on allait leur interdire de se voir et ils sont partis. Ce qu'ils veulent, c'est de la liberté. C'est exactement ce que j'ai dit à l'Aubrac. De choisir d'être heureux. Je vous présente Mademoiselle Courret, notre nouveau professeur d'anglais. Salut Jean-Pierre. Et toi? Il est grand, il est brun, il a des yeux verts comme des émeraudes. Et non, vraiment, il est très très beau. Bien, bonne journée, monsieur Bilby. Je disais pas ça pour t'énerver. Hein. Je voulais m'excuser. Il n'y a pas qu'Annick, tu sais. Hein. Mais moi, je vois qu'elle. Si tu comprends pas, c'est que t'as jamais été amoureux. Moi, dès qu'une femme me plaît, je perds mes moyens. Je suis tétanisé. J'ai l'impression que je vais mourir. Fais un vœu. C'est pas moi. Pour tes chances. C'est jamais toi, c'est ça? On est amis, non? Non, on n'est pas amis. On n'a jamais été amis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai eu peur? Bah j'ai eu peur. Est-ce que mon contrat présente un problème? Est-ce que je suis trop inexpérimentée? Est-ce que je suis trop jeune? Trop mariée? Pas assez divorcée? Trop immorale peut-être? Non, non, vous n'y êtes pas du tout. L'inverse m'a étonné, il semblerait que vraiment, vraiment, je ne comprenne rien à rien. Et je te le dis sans arrêt, de faire attention! Mais comment t'as pu faire ça, Jeanne? Je le sais pas, ça. Tu m'as toujours en l'air pour une amourette. Non, t'es pas une amourette. Ah non. Même vraiment. Et quand on a 5 ans, il faudra qu'elle choisisse un mari convenable. Je crois qu'elle va faire quoi? T'espères quoi au juste? L'épouser? Frappe à la porte, il faut l'ouvrir. Si on attend trop longtemps, après on regrette à jamais d'être passé à côté. S'il y a d'autres portes, on n'a pas envie de fermer. Clairement, c'est ta chance, Alain. Choisis d'être heureux. Des jeunes ici qui comprennent les choses de la vie.